bienvenue dans la fraternité. Pardon, monsieur, donne-moi la cigarette. Hein? Je vais lui faire une marque. Je vais faire une marque. Et comme ça, il ne va plus oublier. Oui, c'est ça, c'est ça. Regardez ce que je vais faire. Eh, ne bouge pas. Essaye un peu, mec. Tu es notre mec. Tu dois essayer un peu. Ne bouge pas. Je vais faire quelque chose. Tu comprends? Voilà, prends. N'ose pas surtout de refuser. Tu dois faire ça. Tu dois les fermer. Écoute-moi très bien. Lorsque je parlais, tu ne parles pas, toi. Reste calme. Ça, c'est la vie. Je dis quand je parle, toi, tu ne parles pas. Non, monsieur, est-ce non, que tu monsieur, dois garder silence? Non, monsieur. Tu es notre mec, non? C'est la vie que nous avons choisi de vivre. Et oui, c'est monsieur. Comme ça que la vie doit être. Et nous sommes censés mourir comme ça. Excusez-moi. Comment vas-tu? Je vais bien. Après tout, je t'ai vu et je te trouve vraiment belle. Je te dis la vérité. Est-ce que tu viens de ce village? Bien sûr. Chey, je le savais. Attends, s'il te plaît. Dis-moi, comment tu t'appelles? Mon nom est Mathieu. Hey! Chey! Quel nom! Tu es belle comme ton nom, je te dis. Toi et ton nom, vous deux, vous êtes jolis. Je t'avais vu immédiatement venir de cet endroit. Je me suis dit, je vis ma future femme. Chey, regarde, je ne veux pas te prendre beaucoup de temps. Hein? Maintenant, écoute. Je suis sûr, je t'épouserai et je t'amènerai chez moi. Accepte juste de devenir ma femme. J'irai voir tes parents et je vais payer la dot. Tu as juste à accepter. Ah! Machi! S'il te plaît, attends un peu! Ceci est une dangereuse décision. Ça veut dire syndrome immunodéficient acquis. C'est une maladie mortelle. Ceci est construit de manière permanente. Si vous avez des contacts sexuels non protégés avec une personne déjà affectée. Maman Charles. Oui. J'ai appris qu'une fois que nous contactons cette maladie, la mort nous attend juste un mois après. Ah, non. Mais grâce aux informations, celui qui vous donne ces informations ne sait même pas de quoi est-ce qu'il parle. Cela ne peut pas prendre un mois comme on vous l'a dit. Non, non. Okay. Alors, madame, ça prend combien de temps pour que le virus puisse se répandre?
Parfois, les gens ne savent pas qu'ils sont porteurs du virus et cela continue de se développer dans le corps. La plupart des cas, cela prend 4 à 5 ans avant que le virus se développe dans le corps. Et c'est en ce moment-là que c'est très, très dangereux. Maman, pouvez-vous s'il vous plaît aller plus loin avec votre explication pour que nous comprenions très bien. C'est ça. Si ça vous dérange pas, pourquoi est-ce que vous avez dit que la personne ne mourra pas immédiatement? Hein? Voilà. Seule la détection de la maladie est très importante. C'est d'ailleurs ça la clé pour le poursuivre. Il y a maintenant les médicaments appropriés qu'on peut utiliser pour ces virus. Lorsqu'une personne affectée l'utilise, il peut vivre longtemps. Maman, êtes-vous en train de dire que quelqu'un peut contracter cette maladie et vivre beaucoup trop longtemps? Oui, si cela est détecté tôt et bien pris en charge, cette personne pourra vivre normalement. Maintenant, ça suffit avec vos questions. Laissez-moi vous poser ma seule question. Combien d'entre vous connaît son état sérologique? Bien. Combien d'entre vous ici ont-ils eu de rapports sexuels non protégés? Mais pourquoi tu me regardes? Ah, mais mec, qu'est-ce que je t'ai fait? Je dois partir maintenant. Ma mère a besoin. Seulement maintenant. On va partir un à un. Hein? Oh, c'était tellement bien. C'est bien que tu aies beaucoup joué. Bien sûr. J'ai beaucoup adoré. C'est pourquoi je t'aime. Et je peux pas te quitter. Y a-t-il un problème? Tu vas bien? Hein? Jeff? Jeff? Tu vas bien? Clara. Oui? Je veux mettre fin à cette relation. Excuse-moi? Et quoi? Qu'est-ce qui se passe, quoi? Pourquoi veux-tu mettre fin à notre relation? Qu'est-ce qui se passe? Jeff! Sharon. Vraiment un suspense. Vraiment un suspense. Larry, que veux-tu que je te dise exactement? Mais dis oui. Dis oui, tu m'aimes, c'est tout. Larry, ce n'est pas que je t'aime pas. Oui, c'est vrai que j'ai des sentiments pour toi, mais je ne peux pas m'engager dans des relations maintenant. Tout ce que je veux, c'est me concentrer sur mes études et avoir mon diplôme de master. Sharon, l'amour ne crée pas l'échec. Voyons. Donne-moi une chance dans ta vie et je vais te prouver et te montrer combien de fois je suis un parfait gentleman. Ta gentillesse n'est pas le problème, mon cher. Crois-moi, tout ce que je veux, c'est être concentré pour mes études. Ah, je fais plus. Tu sais que nous sommes meilleurs amis. J'apprécie réellement ton amitié. Moi, j'en veux plus.
je veux tout de toi. Je veux faire partie de ta vie. Il te faut quelqu'un de spécial dans ta vie. Avoir des relations sexuelles sans protection entre deux personnes qui ne sont pas mariées est vraiment risqué et non conseillé. Il est conseillé, si vous voulez avoir le sexe, d'utiliser les préservatifs. Mais laissez-moi vous dire, l'utilisation du préservatif, cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas être contaminé du VIH-Sida ou d'autres maladies sexuellement transmissibles. C'est plus sûr pour vous de pratiquer l'abstinence pour le sexe jusqu'au mariage. Une autre question? Mama Charles, oui? À part le sexe, y a-t-il un autre moyen par lequel quelqu'un peut contracter cette maladie? Oui. Quand tu partages des objets tranchants avec quelqu'un qui est affecté du VIH, définitivement, vous serez affecté. Quand vous partez chez les barbiers et vous vous faites coiffer sans stériliser vos matériels ou quoi que ce soit, mais vous serez affecté. Alors, chaque fois que vous êtes en contact, ou si vous utilisez quelque chose que la personne affectée a utilisé, directement vous serez affecté. Alors, je pense que nous allons nous arrêter ici pour aujourd'hui. Nous parlerons d'autres choses les prochains week-ends. Mais avant de partir, j'ai quelque chose que j'aimerais vous offrir. Ah, attendez-moi. Mais Jeff, je ne comprends absolument rien. Tu as changé d'attitude, juste comme ça. Je suis désolée si je t'ai offensée, désolée. Je pense avoir été suffisamment clair. Mais je suis désolée de les sortir comme ça. C'est terminé entre nous. Chérie, je t'aime. Mais je t'aime beaucoup, je ne peux pas vivre sans toi, s'il te plaît. Je suis désolée si je fais quelque chose, désolée. Malheureusement... Oh. Tu as toujours été la cause du sexe. Pars maintenant. Jeff, es-tu sérieux? Sors de cette chambre. Jeff. Oh, s'il te plaît, je suis désolée, dis quelque chose. Allez, s'il te plaît. Tu me connais très bien, jeune dame. Je n'aime pas beaucoup parler. Tu peux maintenant partir. Oh non, s'il te plaît. Alors, Ouge. Regarde, je n'aime pas blaguer. Alors, vas-y. Oh non! Je demande de sortir, vas-y, va-t'en! Non! Mais est-ce que tu veux partir? Je suis désolée. Tu veux que je lève ma main sur toi? Chérie. Sors! Non! Ah non! Non! Ne fais pas ça, s'il te plaît! Boss, nous voilà. Je crois que c'était bien fait. Patricien, tu sais que tu me manques beaucoup, mon amour. Hein? Avant hier, je t'avais beaucoup attendu. Tu ne t'avais pas fait voir. C'est quoi, bébé? Dis-moi, c'est quoi le problème? C'était ma mère. Hein? Hein? Elle ne voulait pas que je sorte de la maison hier. Ah! Non, tu dois savoir comment mentir. Je veux dire, tu dois fabriquer quelque chose que tu peux lui dire. Tu sais, à vrai dire, je suis mieux disponible chaque fois quand je te rencontre. Par conséquent, je sais que tu peux me donner ce que tu gardes pour moi. Tu es vraiment un homme intéressant. Merci, que ce soit ainsi. Dis-moi, qu'est-ce que tu m'as apporté? Oh, mais comment? Ferme tes yeux. Oh...
Chérie, merci. Très belle chaînette, celle qui est à la mode, en plus coûteuse. Merci, mais il n'y a pas d'argent? L'argent? Oui. Ah, la chaînette m'a beaucoup trop coûté. Prends d'abord la chaînette aujourd'hui, à la prochaine rencontre, je vais te donner l'argent. Non. Mon corps a besoin d'argent. Ok, pas de problème, pas de problème, je vais te donner. Ah, ah, laisse-moi compter pour compter toi ensuite. Compter quoi? Lorsque tu fais là, est-ce que tu comptes? C'est l'argent que tu veux compter. C'est pas gentil. Ok, pas de problème. Viens, viens comme ça, viens. Merci pour tout. Ah, Sharon, tu n'as pas me remercier à tout moment. Tu sais, on est amis, n'est-ce pas? Je sais, mais je vais te remercier tout le temps. C'est la raison pour laquelle je veux que tu sois à moi. Tu es extraordinaire. Larry, nous en avons déjà parlé. Je ne veux pas remettre ce sujet sur les tapis. Ah, arrête. Arrête, Sharon, arrête. Ah. Promets-moi que tu vas penser à cette discussion. Juste une fois. Peut-être que tu changeras d'avis. Il n'y a pas à réfléchir sur ça. Oui, il faut que je fasse autre chose maintenant. Je te vois après. Bye. Bébé, bébé, tu es très spécial. Vraiment, j'apprécie. Okay. D'ailleurs, tu es meilleur. La manière dont tu me l'as donnée, personne ne peut, même ma femme. C'est parce que je suis très, très spécial. Oh, ah, tu es vraiment spécial. Regagnons le terrain. Donne-moi une fois de plus. Non, une non, fois non, de plus. Non, 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 oh, non, non, s'il non, te non, plaît, non, s'il te plaît. Prochainement, je dois rentrer vite à la maison. Ma mère a besoin de moi. Je t'en prie, pardon. Prochainement, t'inquiète. Je te prends en congé. Tchaï. Bye. Vas-y, mon cher, vas-y. Qu'est-ce qui ne va pas? Cette fille t'aime beaucoup. Et en plus, elle est loyale. Et tu as décidé de l'aimer. Alors, qu'est-ce qui t'est arrivé? Pourquoi tu la traites comme ça? Mon gars, rompre avec elle de telle manière, c'est pas bon. Franchement, c'était pas bon. Non, pas comme ça. Je veux dire, tu devrais au moins être clair avec elle. Sans aucune explication, tu lui dis, c'est fini. Je ne donne aucune explication à qui que ce soit. J'ai rompu et c'est terminé. Ah! Maintenant, dis-nous. Est-ce qu'elle t'a trompé? Non. Est-ce qu'elle ne... Elle ne te respecte pas? Vous savez, ce n'est pas vraiment important de mener une vie de couple, surtout dans un pays comme celui-ci. Je vais mettre fin à ceci. Par ailleurs, je ne suis pas obligé de continuer. C'est mon cœur qui ne veut plus d'elle. J'en ai marre. Je me suis lassé. Vous comprenez, je suis fatigué. Mon gars, on comprend ton problème. Personne n'a dit que t'as mal agi, mon frère. Ce que t'es en train de vivre, on le comprend. Nous sommes tes potes. Mmh. En aucun jour, on pourrait t'abandonner, gars. Mais ce que j'aimerais te dire est que... Elle souffre. Ouais, franchement. Ouais, franchement, nous tous, presque, on en a marre de cette vie. Mais on pourrait pas abandonner les gens comme ça. Mmh. Tu comprends? C'est le moment de faire un bon choix
pour ne pas regretter lorsque ça sera trop tard. C'est ça. La fille en question, elle est calme. Elle est vraiment aimable. Et elle doit être bien traitée. Wow. Avec respect. C'est ça. Comme je vous l'ai dit tantôt, c'est terminant. Et j'ai vraiment faim. Abandonnons cette affaire, les mecs. Parlons de choses beaucoup plus importantes. Nous avons vraiment du chien à fouetter, les mecs, vous voyez? Lorsque le vent rencontre un mur, il finit par trouver un chemin pour passer de l'autre côté. Et c'est ce qu'elle doit faire, elle aussi. Vous voyez? Est-ce que je me suis fait comprendre? Non, mais ça, c'est une blague. Cette histoire ne finira jamais. Ça n'aura jamais la fin. Si les grands guerriers perdent la guerre, ils ne vont plus refaire la même erreur. Et ça a toujours été comme ça. Si ils veulent la guerre, faisons la guerre. S'ils veulent la bataille, alors ils auront la bataille. Nous n'allons pas laisser tomber. Les gars, je veux dire, quand est-ce qu'on va se battre? Bientôt. Quand est-ce qu'on va commencer? La question est, quand est-ce qu'on va commencer? Parce que nous n'allons pas fuir la guerre. Nous n'allons pas fuir la guerre, mon frère. Ce que j'aimerais à ce que vous puissiez comprendre, c'est que vivre avec le VIH-Sida n'est plus du tout un problème. Ce qui tue les gens actuellement, c'est la stigmatisation. Quand la société hausse sa voix, a abusé et a discriminé les personnes vivant avec le VIH. La pression les envahit. Et des gens comme ça finissent généralement par commettre un suicide. Alors, bien, je pense que nous allons nous arrêter ici pour aujourd'hui. Et la prochaine fois, nous allons parler de la stigmatisation et d'autres choses. Une question? Maman Charles, s'il te plaît, est-ce que je peux avoir plus de... Puis-je avoir plus de préservatifs? Mais pourquoi est-ce que vous vous moquez de moi? Regardez, j'essaie de sauver ma vie. Hey! Je t'ai attrapé. Aujourd'hui, tu ne dois pas partir. Tu ne dois pas me fouiller aujourd'hui. Maureen, laisse-moi tranquille. Ça, jamais. Laisse-moi, Maureen. Je pars à une réunion très importante. Tu m'as donné l'argent gardé pour toi. Pendant combien de temps tu ne m'as plus rien donné dans cette maison? C'est étonnant. Écoutez-moi cette femme. Donc tu ne sais pas ce que tu peux faire. Ton esclave, c'est bien ça? Hein? Laisse-moi te dire quelque chose. Tes sœurs sont encore dans la maison. De ton m'en père fous de jusqu'à ça. Présent. Car il n'y a aucun homme qui est venu frapper à la porte. C'est ça. On fuit les dangers de loin. Au lieu d'être reconnaissante comme je suis venue sauver ton visage, tu es là en train de faire des bêtises. Sauver qui? Inutiles. Sauver qui? Tu m'as épousé pour me tuer de famine, c'est ça? Pardon. Pour la dernière fois, mon reine, je t'ai dit, laisse-moi calme. Non. Ne me permets pas à te donner des gifles, c'est le mal que je crains. C'est ça. Gifle-moi. Je finirai par te donner des gifles si tu continues à faire ce que tu fais. Gifle-moi, arrête de trop parler. Je suis là, gifle-moi. Laisse-moi mourir. Gifle-moi. Tu te trompes. Non, là tu te mens. Je ne veux pas te laisser. Aujourd'hui, je ne te laisserai pas. Tu ne partiras pas, tu vas me donner l'argent. Maureen, donne-moi l'argent. Attention. Oui, c'est ça. Comme tu veux te battre, pas moi. Laisse-moi m'en aller. Maureen, respecte-toi. On va se battre aujourd'hui. J'espère que tu aimes la nourriture. Comme toujours, maman. Tu es la meilleure cuisinière du monde. Merci. Maman, je n'ai jamais mangé quelque chose de si merveilleux il y a 2 mois. Je t'ai appelé à plusieurs reprises, mon fils. Je t'ai écrit beaucoup de messages. Je n'ai reçu aucune réponse. Je suis désolé, maman. Pas besoin de te présenter toutes mes excuses. Pardonne-moi seulement, s'il te plaît. Ne te fâche pas, maman. Je ne peux pas être en colère contre toi.
Je ne peux pas être en colère contre mon fils. Je suis contente que tu sois à la maison. J'en suis également heureux, maman. On se sent mieux que chez soi. Spécialement pour ces merveilleux repas. Je voulais te voir. Je fais un terrible rêve pour toi. Et j'avais peur. Qu'est-ce que tu as vu? Je t'ai vu ici, à côté de cette parcelle. Et tu avais des plaies partout sur ton corps. Tu avais des sangs partout. Et je vis encore un jeune homme. Il courait derrière toi. Ce qui m'a fait le plus mal, c'est que... il t'avait tué. Hein? C'est vraiment un terrible rêve. Mais qu'est-ce que Dieu nous en épargne? Rien ne m'arrivera, maman. Que Dieu t'épargne, mon fils. Rien ne va t'arriver. Mais tu sais, mes rêves ne sont pas du tout ordinaires. Dis-moi, mon fils, as-tu quelque chose à voir avec quelqu'un? Maman, non, tu dois m'y croire. Je ne reste jamais tard la nuit. Je ne cherche pas de problème. Je ne fréquente même pas de mauvais amis. À moins que quelqu'un vienne me faire de problèmes au niveau du campus universitaire. Parce que c'est le seul endroit où quelqu'un peut me voir après les cours. Je prie que rien ne t'arrive. Amen. Tu sais, tu es le seul fils que j'ai. Maman, rien ne va m'arriver. Je vais bien. Et je le serai toujours. Ok? Cette nourriture est merveilleuse, maman. Vraiment. Attends, ma princesse. Attends. Écoute, Mathieu. J'étais en train de te parler avant que tu partes. Pourquoi? Je voulais t'exprimer mon amour les yeux fermés. Oui, je suis désolée. Je rentrais vite pour ma mère. Elle m'avait demandé de vite rentrer à la maison. C'est pour ça. Parce que j'avais cru que tu étais une sorcière. Excuse-moi. Oui, c'est vrai. Hey. Mouche, ça m'a surpris ce jour-là, la manière dont tu avais disparu. Hein? Je t'ai dit, j'avais peur. Parce que j'avais fermé les yeux pour t'exprimer, mon amour. Il s'est dit, qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi, je dois vite rentrer à la maison. Ok, calme-toi, mon petit cœur. Regarde, tu sais que la vérité dans tout ça est que je t'apprécie beaucoup. En effet, je t'aime. Mon cœur bat pour toi. Il fait dit, ou peu importe ton nom. Écoute, je n'ai rien à voir avec toi. Rien du tout. Alors laisse-moi tranquille. Bébé, attends un peu, hein, bébé. Il y a quoi? Attends. Calme-toi et tu vas voir. Il y a maintenant de bonnes choses qui veulent arriver. Attends, mon bébé. Regarde-moi ça. Le son de Jésus. Tiens, l'émotion, tu appelles Jésus, hein? J'ai l'argent, hein? Je suis un grand homme, hein? Je ne préfère pas parler beaucoup. Écoute, laisse-moi te dire une chose. Si tu acceptes d'être le mien, juste accepte ma proposition et tout ça sera à toi. Ha! Il fait d'accord, non? Allez, vas-y, donne-moi l'argent. Mon cœur pas si vite. Mais c'est pas seulement comme ça que je veux commencer à te donner. Regarde, Match. La seule chose que tu peux faire pour moi est que... allons-y dans ce coin-là. On va faire les donnants-donnants et après je vais te donner cet argent. On peut le faire ici, non? On n'a pas assez d'argent. Comment on peut faire ça en public? Tu vois pas qu'il y a des petits enfants ici? Allons-y là-bas et on fait. Je te donnerai cet argent. Maintenant que tu as eu ce que tu voulais, quelle relation avons-nous? Mathieu, nous sommes maintenant nouveaux oncles et tantes. Ça veut dire? Ça veut dire que... mon oncle là va entrer dans ta tante. Il fait dit, s'il te plaît, puis-je avoir l'argent? Ma mère m'attend déjà à la maison. Regarde, si tu peux me prouver combien tu m'aimes aujourd'hui, je te donnerai assez d'amour et d'argent. Es-tu sérieux? Je suis sérieux. Vraiment. Chai.
Hey, Mathieu, tu aimes l'argent. Hey! Isseidi, tant que tu me donneras l'argent, je te donnerai aussi l'amour. Hey! Regarde, Mathieu. Crois-moi aujourd'hui. Hein? À partir d'aujourd'hui, hein, je suis maintenant ton père. Donc appelle-moi les grands-papas. Big Daddy. S'il te plaît, ma mère m'attend à la maison, je pars. On se voit prochainement. Regarde la manière dont tu me quittes. Prochainement, tu vas me donner danse avec moi. Danse avec moi. Ah, Mathieu, je t'aime beaucoup. Bébé, alors qu'est-ce que tu fais? Rien, je t'ai dit, tu peux bien le voir. Ce n'est pas le moment de lire. Attends, qu'est-ce que tu veux? Moi? Mais pourquoi tu me poses cette question? Tu es ma petite amie et tu es tout ce que je veux. Faut pas être comme ça, hein? Penses-tu pas que c'est... On va pas pratiquer les sexes. Qu'est-ce que tu veux dire? Il faut savoir que... Je suis vierge. Attends, écoute un peu. Je suis vierge et je fais une promesse à mon Dieu que je resterai comme ça jusqu'au jour de mon mariage. Ah, être vierge n'est pas un problème. Hein? Mais voyons, tu veux même changer ta décision. Et mon corps ne pas pour le fashion. Tu vois la raison pour laquelle j'aime pas avoir de petite amie? Parce que tu me laisserais pas tranquille. Écoute, si tu m'aimes comme tu l'as dit, aide-moi à réaliser ma promesse en Dieu. C'est tout ce que je pense faire en tout cas. On va arrêter d'être vierge. Tu ne l'as jamais fait et moi non plus. S'il te plaît. Je parle de la promesse en Dieu et non d'un ami. Mais on peut garder la promesse ensemble. Moi aussi, je ne l'ai jamais fait. On peut arrête de blaguer, je ne blague pas. Tu vois, je ne blague pas. Je ne blague pas. Qu'est-ce que tu fais ici? Bébé, ce n'est pas flou, c'est clair. Je n'ai toujours pas reçu la réponse à ma question, alors je te demande qu'est-ce que tu fais ici? Jeff, je t'aime. Et tu le sais. Pourquoi tu me fais ça? Moi, je ne t'aime pas. Il y a 3 mois que je t'ai dit que c'était terminé. Et qu'est-ce qui t'a fait croire que je vais changer mon avis maintenant? Jeff, je sais qu'au fond de ton cœur, au plus profond de toi, tu as encore de l'amour pour moi. S'il te plaît, laisse passer cette rancœur qui te ronge les cœurs contre moi. S'il te plaît. Écoute-moi, Clary. Et tu sais que je ne suis pas ce genre d'homme qui revient ruminer sur des choses venues. Tu appartiens à mon passé maintenant. Alors il est mieux que tu passes à autre chose. Pour ton bien. Jeff, s'il te plaît. Ne dis pas ça, tu sais que je t'appartiens. J'appartiens à ton cœur, je t'aime. S'il te plaît, ne fais pas ça, je t'en supplie. S'il te plaît. Il est évident qu'il est inutile de parler. Maintenant, sors. Allez, s'il te plaît, fais pas ça. Larry? Larry? Chérie, dis quelque chose. Ton silence me tue. S'il te plaît, okay. Dis quelque chose. Ok. Ok. Je ne comprends pas. Tu veux dire que... Ah. Je te comprends. Je ne serai jamais la raison pour que tu désobéisses à Dieu. Je t'enverrai jusqu'à ce que tu sois prête. Merci beaucoup, Larry. Je penserai uniquement qu'à toi. Je ne m'imaginais pas être à tes côtés comme ça. Et maintenant, je t'ai eu.
Je te promets que je ferai tout de mon pouvoir pour être fidèle à toi. Dieu va les rendre vrais. Approche. Essayez de parler à votre ami. Non, mais je ne sais pas. Je ne sais pas qu'est-ce que j'ai bien pu faire. Il ne veut même pas me voir. Je n'ai rien fait du tout. Mais... Es-tu sûr à propos de ça? Oui. Mais vous le savez. Vous savez combien je l'aime. Je n'ai rien fait du tout. Mais il veut juste me repousser. En tout cas, cette histoire, moi, je ne comprends pas. En tout cas, il faut que tu comprennes quelque chose. Nous avons bien réalisé. Tu es vraiment parfaite. Je veux juste qu'il me donne une nouvelle chance. S'il y a quelque chose que je fais, je suis désolée. Je ferai tout ce qu'il voudra. Juste essayer de lui parler, tu peux être tranquille, on lui parlera. Ok, Tu ne dois pas t'inquiéter pour ça. C'est comme si c'était déjà fait. Ton amour va rentrer. Merci beaucoup. Je te promets. Je compte vraiment sur vous. Okay, c'est très bien. Merci beaucoup. Courage, hein? On doit faire l'effort de lui faire comprendre. S'il dit que c'est fini avec elle, on va lui dire que c'est pas fini parce que mon gars, cette fille, elle est vraiment canon et elle aime. Et tu comprends? Tu sais que cette fille était vierge lorsque Charles l'avait trouvée. Ouais. Et elle a donné tout son cœur à Charles. Et puis Charles l'avait domptée. Et puis après avoir tout fait avec elle, je pense à quelque chose. La chose à laquelle ils sont en train de penser, la chose en question, c'est, je pense que je veux lui faire un testo. Je veux juste qu'on ait une petite fête. Comment est-ce que tu peux dire je ça? Je veux qu'on passe le temps ensemble. Pourquoi tu veux faire ça? Et pourquoi je dis cela? Parce que je veux la paix. Donc, tu veux coucher avec elle? Ah, tu as compris. C'est aussi ce que je veux. Non, qu'est-ce qu'il y a, mon cher? Qu'est-ce qu'on fait? Cette fille est en train de parler comme si un truc du genre, hein, tout ce que tu veux, tu l'auras. Hein, tout ce que tu veux, tu l'auras. Et tout son corps là, il fait donner ça à Charles. c'est la même chose que je veux. Ouais, le canon. C'est guerrier. Attends. Tu vois tout ce qu'elle donne à Charles. C'est ce que moi aussi je veux. Ouais, mon gars. Mm-hmm. Je dirais la même chose. Oh, pas gars, c'est pas bien. C'est bon, j'ai dit. Vous avez vraiment besoin d'enlever cette attitude. C'est ce que nous devrions en parler la dernière fois que vous étiez ici. Il n'a pas pu supporter la honte. La disgrâce. Vous savez très bien ce qui se passe dans ce village. Tout le monde va l'éviter comme s'il était lépreux. Je sais. Ça, c'est la seule raison pour laquelle nous devons nous battre. La stigmatisation est l'une des raisons qui tue les gens qui vivent avec le VIH. Oh, bien. C'est triste que Ikina soit testé positif et qu'il perde sa vie. Prions que cela ne se répète plus. Maman Jeanne, moi j'ai peur, oh, j'ai très peur. Pourquoi? Pourquoi as-tu peur? Ok. Demain, vous allez tous me suivre à la clinique. Alors, vous allez savoir votre tasse sérologique. Maman Jeanne, je ne pourrai pas partir. Mon cœur est très fragile. Je pourrais faire une crise cardiaque là-bas. Pardon, je ne saurais pas. Pourquoi? Savoir son état sérologique est très facile.
si tu es séro-négatif? Dieu merci. Mais si c'est positif, tu vas seulement suivre le traitement. Ok? Ma chérie, mais c'est toi que j'attendais. Hein? Tu m'attendais, donc c'est vous tous qui m'attendez. J'ai vu ton frère ici, il m'a dit qu'il m'attendait. Et toi également, tu me dis que tu m'attendais. Hein, mon frère? Mais est-ce qu'il t'a... Non, pas du tout. Il était juste assis devant la boutique d'Ifoma. C'est tout. Ok, c'est bien. Zuma, tu sais, je t'avais dit que je t'aimais beaucoup. Hein? Je voudrais qu'on soit petite amie, mais tu ne m'as pas encore répondu. Écoute, allez-y. Je n'ai pas de force pour tout ça maintenant. En effet, je ne suis pas prête pour une relation amoureuse maintenant. Oh, Zuma, hein? Je suis capable de te protéger. Hein? Je peux me battre pour toi. Hein? En fait, regarde, laisse-moi te montrer de l'amour. Regarde, par-dessus tout, je peux être ton héros pour la vie. Regarde, est-ce que tu t'en rends compte? Et pour te montrer comment je suis, j'ai t'apporté quelque chose. Attends, regarde ce que je t'apporte. Je t'apporte un téléphone. C'est du mensonge. Mais pourquoi tu ne le crois pas? J'ai t'acheté ce téléphone. Hein? Es-tu sérieux? Je suis sérieux. Mais vérifie toi-même, non? Vérifie là. Oh, c'est un téléphone neuf. Regarde ça très bien. C'est un très bon téléphone. Ça doit être très cher ce téléphone. Joma, je t'ai dit tantôt que je ferais n'importe quoi pour toi. Écoute, je ne pense pas que tu blagues avec moi. Je ne peux pas blaguer avec mon amour. Je serai ta petite amie. Je serai ta petite amie. Tu seras ma petite amie? Oui, bien sûr. Regarde, Oma, promets-moi que tu seras ma petite amie. Je te promets, non? Es-tu vraiment sérieuse? Allons-y. J'espère que personne ne voit. Non. Vraiment. Mais oui, c'est ça, mec. Ah, non, c'est pas du tout comme ça. Arrête ça. Toi là, tu me provoques. Attends, je te rappelle après. Non, c'est pas comme ça, c'est pas comme ça. Ouais, c'est... Tu as vu? Merci, mon cher. On doit aller, allez. Non, mon chef, raccroche le téléphone. Raccroche. Attendez. Vous ne voyez pas ces gars-là? Ouais, je l'ai vu. L'as-tu bien vu? Je l'ai bien observé. Les gars, écoutez, hein. Cette histoire n'est pas sérieuse. C'est pas vraiment sérieux. Ces gars seront notre matériel. Il doit être utilisé. Un bon jour, nous devons les tuer pour notre fraternité. C'est ça. Ouais, ça serait mieux, mon gars. Ces gars vont nous servir pour le matériel. C'est du blanc. Le garçon? Ok, le garçon, oui, c'est vrai. Imagine vraiment. Il vient de passer des vannes, comme si de rien n'était. Vous avez compris. C'est comme qu'on va utiliser. Voilà. Ouais, si tu le dis. Attendez. Qu'en pensez-vous de la fille? Quoi? T'as pas vu comment il nous fait de fier? C'est comme si c'est lui qui est le premier à gagner la vie. Il faut vraiment qu'on l'utilise pour la fraternité. Parce que si on l'utilise pas vraiment, il ne va pas nous respecter. C'est ça le problème. Il faut qu'on les fasse vite fait. Vite. Bébé. Est-ce que je vais prendre l'angle avec toi? Je pars étudier parce que je prépare quelque chose. Qu'est-ce que tu veux? Sûrement, je ne te prends pas du temps. Je t'écoute.
Ça fait un moment que je te vois dans les alentours. Et je dois te l'avouer que... Tu es une très belle fille. Merci. Une chose de plus. Je veux que nous soyons amis. Je veux que tu sois ma petite amie. Excuse-moi. À chaque fois que tu croises une fille au campus et tu lui dis que tu veux qu'elle soit ta petite amie, pour de vrai, s'il te plaît, reste loin de moi. Ce n'est pas ça. Excuse-moi. Reste loin de moi. Loin de moi, j'ai dit. Elles m'ont vraiment laissé. Hein? Moi, où tu allais? Aucune femme ne résiste à mon charme ici dans ce campus. Tiens-toi prêt, il est en train de venir. Il faut vraiment qu'on la finisse aujourd'hui même. On n'a pas le temps à perdre. De mon côté, moi je suis déjà prêt. Et vous? S'il te plaît, descends de mon véhicule. Oh, c'est le tien? Oui, c'est à moi. Oh, oh. Donc c'est pour toi? Oh, oh, tu vas y entrer, mais je... On voudrait avoir une petite conversation avec toi. Et qu'est-ce qui se passe pour que vous conversiez avec moi? Joa, Larry, n'est-ce pas? Est-ce que tu me connais? Oh, oui. C'est une petite ville, tu sais. Et puis, il y a des hommes qui font la loi et font beaucoup de choses dans ces campus. Mais là, tu parles de quoi? Et puis, partant de notre coutume et selon les règles de la ville, tu ne trouves pas ton nom ici. Mais tu parles de quoi? Alors, je te demande... D'où est-ce que tu appartiens? Tu n'es pas notre membre. De quoi? Ah, de quelle liste parles-tu? De quoi parles-tu? Hé, toi. Tu penses que nous plaisantons avec toi? Hein? Tu nous as vu avec des jouets pour plaisanter? Mon gars te demande tu viens d'où? Tu dois ouvrir ta bouche. Est-ce qu'on t'a déjà parlé de membres du sang? Tu dois faire attention, petit. Tu te prends pour qui? Tu penses qu'on est là pour s'amuser? Je te préviens. Ok. Écoutez, les amis. Je ne sais pas du tout de quoi vous parlez, mais quoi que vous disiez, je ne fais pas partie de vos organisations, d'accord? Et je suis ici pour étudier et partir après ma collation. Et si on a fini, alors je te prie de descendre. Non. Je parle des gens ici. Pas si facilement. Tu es un genre de garçon, toi. Oh, je ne connais pas cette liste. Quoi que vous vendiez, je ne peux pas acheter. Tu es quel genre de garçon? C'est vraiment un grand crime de dire non aux membres des Black Mamba. Et c'est aussi vraiment un grand sacrilège. C'est un tabou, une abomination d'être orgueilleux et arrogant envers le membre de la fraternité. Écoute-moi très bien, jeune garçon. Les marques qui ont été placées, en toi, et tu ne peux pas t'enfuir en jouant ces jeu. Et pour ton bien, tu n'es pas permis, tu n'es pas autorisé, tu n'as pas le droit d'ajouter un seul mot. Nous sommes en train de partir. Maintenant, allons-y les gars.
Je l'avais pris pour un acquis. Je lui ai donné ma priorité. Il m'a blessée. Je lui ai donné mon cœur. Il a badiné avec. Bien. Soit tu m'appartiens ou à personne d'autre. Si je ne peux avoir Charles, personne d'autre ne l'aura. À combien de reprises t'ai-je demandé de plus venir ici? Je ne suis pas là pour ces histoires. Je n'ai plus le temps pour ça. Je vais juste te demander une faveur. Qu'est-ce que tu veux? Si vraiment tu ne veux plus de moi, je veux que tu me le fasses pour une dernière fois. Il n'y a pas de préservatif. Alors? Alors, pourquoi tu veux utiliser les préservatifs? Je ne sais pas pourquoi tu en as besoin. Prudence. La prudence sexuelle est la clé. Jeff, tu es le premier homme de ma vie. Je suis pure et je le pense aussi pour toi. Alors, ne t'inquiète pas pour le reste. Ok. Mission accomplie. Comme ce gars ne m'a pas reconnu après tout ce que je fais pour lui, il va goûter l'eau amère du marat. Je suis très bien sûr que maintenant il a le virus. Chérie, bien aimé. Hey, my chicken. Attends, regarde-toi. Allons-y, s'il te plaît, rapidement. Puisque tu te précipites de partir comme ça, j'espère que tu as l'argent avec toi, non? Oh, l'argent? Tu sais que je ne peux jamais venir sans argent. Donne-le-moi. L'argent. Tu dois marcher déjà comme ça, on va aller très rapidement. Hein? Il n'y a pas de problème. Sors l'argent. Oh, regarde. Je t'ai apporté 3 000. Tu as emmené quoi? Et 3 000, non, c'est de l'argent. Je ne comprends pas. 3 000, pourquoi? Mathieu, s'il te plaît, tu dois comprendre que les choses sont trop dures pour moi ces derniers temps. Voilà pourquoi tu dois tout laisser et quand tout ira bien, tu vas revenir. Je ne serai pas patienté, Wachi. La chose, c'est quelle chose? La seule chose qui m'empêche de me fâcher contre toi, c'est parce que tu es un bon client. Alors prends ton argent, quitte ici, quitte. C'est aujourd'hui que tu commences ce business. Mathieu, s'il te plaît, tu veux que je m'agenouille? Tu parles de t'agenouiller? Allez, vas-y. S'il te plaît, pardonne-moi. Lève tes mains. Ferme tes yeux. Vas-y, supplie-moi. Mathieu, s'il te plaît, non, allons faire ça. Patricien, qu'est-ce qui t'a retardé? Ça fait presque 3 heures depuis que je t'attendais ici. Qu'est-ce que tu faisais? C'est ma maman, oh. Cette femme-là n'aime pas que je puisse quitter à ses côtés. Honnêtement, depuis que j'attendais, ça fait longtemps. J'ai décidé de t'attendre, Patricien. Ne t'inquiète pas. Okay. Aujourd'hui, je te donnerai mes derrière. Regarde un peu ça. C'est la danse que tu vas danser? C'est une nouvelle danse? C'est ça! Vraiment, je suis impatient. Impatient de la voir. Sois juste prêt, parce que tu l'auras aujourd'hui. Okay, tu m'as rappelé, où est l'argent? Attends, l'argent ne pose pas problème.
J'ai gardé l'argent. Quel argent? Ce qui était destiné pour moi? Oui. C'est oui, ce que tu cherches maintenant, là? Je l'avais déjà arrangé et je l'ai mis dans ma poche. Donc, c'est quand je m'en vais? Attends d'abord, Christian. Attends. Je t'ai toujours donné l'argent. Comment est-ce que tu veux m'abandonner aujourd'hui? Attends. Peut-être que je l'ai mis ici. Je vais vérifier d'abord. Tu sais quoi? Si tu veux avoir ce que je t'ai promis, tu ferais mieux d'aller prendre l'argent à la maison. Allez, laisse-moi, s'il te plaît. Attends d'abord, Patricien. Je t'ai toujours donné l'argent. Pourquoi tu veux me faire comme ça? Veux-tu avoir mes derrière? Ne me fais pas ça. Mais vas-y, prendre l'argent. Maman, je suis là. Maman, bon après-midi. Qu'est-ce qui arrive de bien cet après-midi? Donc, depuis que je t'ai envoyé au marché, c'est maintenant maman, que tu reviens? Si seulement tu savais. Savoir? Comment seulement à remercier Dieu? Pourquoi? Béni Dieu. Oh, sais-tu ce qui s'est passé de l'autre côté là? Le monsieur qui est gros là. Maintenant, en venant, c'est compliqué pour moi. Hein? Je devais lui payer pour qu'il puisse me traverser de l'autre côté là-bas, maman. Donc, ces bandits là t'ont vu pour que c'est m'a gaspillé mon argent. Maman, tu sais combien je souffre pour avoir cet argent. Toi, reviens ici. Reviens ici. Dieu t'a tué cet enfant. Tu me fais mal à la tête. Reviens. Si seulement je t'attrapais, tu es vraiment très bête comme ton père, toi. Je sais pas. Tu vas partir. Je vais t'attendre ici. On verra. Ma vie, elle est vraiment compliquée. Je ne comprends plus rien. Aïe, que faire? Hey, monsieur boss, tu es déjà là? Oh, aujourd'hui, tu es revenu à temps. Hein? Aïe, aujourd'hui, tu n'as pas bu? Qu'est-ce qui ne va pas? Tu n'as pas pris de la bière parce que tu es un ivrogne. Regardez, toi, tu vas me tuer dans cette maison. Idiot. Ça n'arrivera pas. Tu es une idiote. Ok. L'alcool. L'alcool que tu m'as donné ce matin qui a gâché ma journée. Pourquoi est-ce que j'ai bu? Qu'est-ce que tu dis? Je dois boire pour finir mes douleurs, enfin, de devenir normal. Oh, mon cher frère, regarde ce que tu t'es fait. Est-ce que tu te regardes au miroir? N'importe quoi, ivrogne. Tu es sorcière. Hein? Tu marches dans tout le village pour boire. Tu n'as même pas honte de toi. Tous tes amis ont des enfants garçons, sauf toi. Hein, toi-même, tu veux t'exposer. Laisse-moi alors te rappeler, je t'ai donné tout le potentiel qu'une femme peut avoir pour donner naissance à un garçon. Mais qu'est-ce que tu en as quoi? Fait? Tu les sous as le utilisés uniquement pour faire développer regarde, tes derrière, sous le fait faire de développer l'alcool. Ta poitrine. Sous as-tu le fait oublié de comment tu étais très mince quand tu venais d'arriver dans ma maison? Même moi, tu étais très grasse que toi quand je t'avais épousée. Ferme-moi ta bouche! N'importe quoi! Hey, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu regarde veux? Regarde cet imbécile qui veut jouer de moi. Laisse-moi. Toi, je laisse-moi. Vais t'apprendre non, les sons ça va que pas tu marcher. N'oublieras jamais. Arrête toi... ça, oh. Hey. Je dois déplacer la voiture, s'il vous plaît. Salut, chérie. Salut, bébé. On s'est encore revu. Alors, qu'est-ce que tu dis de ce qu'on avait parlé la fois dernière? Eh, excusez-moi, s'il vous plaît. Chérie, approche. Oh, est-ce que tu peux essayer de fermer ta gueule qui pue, sale petite tarée? Sharon m'appartient. Et tu ferais mieux de rester loin d'elle. Et en ce qui te concerne, tu appartiens maintenant aux Black Mammals. Et nous n'aimons pas patienter. Partir à la police et les informer de tout ça. Non, c'est vraiment dangereux. Essayer de les attaquer, ce n'est pas vraiment nécessaire. La police va nous aider. Charles et sa bande, ils sont tellement
dangereux. Et s'il nous tue, comment est-ce que la justice sera rendue? Et maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? J'ai tellement peur. Je ne me sens plus en sécurité. Bébé. Ça va aller. Je te protégerai. Ok? Quelques bananes plantains. Oui, quand tu viendras, tu vas le voir. Putain, mais c'est quoi ça? Oui. Mon cher ami. Hein? Hein? C'est maintenant. Wow. On doit toujours faire quoi? Quoi, mon gars? C'est moi qui t'ai un. Voilà. Bouge, les gars, doucement. On va aller doucement, d'accord? Allez, hein? Dépêche-toi, passe par là. Ouais, je pense que ça serait mieux. On va aller avec elle, hein? Attends. Pardon, je suis désolée. Si j'étais offensée, pardonne-moi. Pardon. Tu reconnais maintenant m'avoir offensée? De toutes les façons, je te pardonne. Hein? Merci beaucoup, merci, je peux partir maintenant. Pars. Ouais, tu peux partir. Pars si tu veux, hein. Pars. Non. Ne bouge même vous pas, plaît. N'essaie même pas de bouger. Je vous en prie, ne faites fait pas ça, pardonnez-moi. On est venu la vie, allez. Ça va bientôt commencer. C'est les mots, je tire la fesse. Ne faites pas ça, non. Tais-toi. Faire quoi? Tu penses que tu peux le donner à ce sale garçon? Allez, vas-y, écarte bien. Écarte bien. Sharon? Sharon? Je ne la vois pas dans la maison. Je pense qu'elle n'est pas encore là. Es-tu sûr? Oui. Est-ce que ça va? Ne t'en fais pas. Merci beaucoup. Cette fille est un peu vierge. Hein? C'est la preuve assez bizarre que ton petit ami est gay. Hein? Une fille jolie comme ça. Arrête de pleurer maintenant. Tu n'es pas heureuse. Tu n'as pas aimé. Oh, s'il te plaît. Ton petit ami. C'est vraiment un gay. Regarde, il n'a rien fait. Mec, toi aussi. Ton petit ami. C'est vraiment un gay. Regardez là. Ouvrons les gars, ok? Allons-nous-en maintenant. Allons-nous-en. Je l'ai rien inventé là. J'ai obtenu ce dont j'ai besoin. Et maintenant, tu as compris? Va-t'en. Doucement. Regarde la tête qu'elle fait. Hein? C'est même si elle s'en fâche, elle veut l'embrasser. Ouais. Les gars, on se casse. Alors, allons-nous-en, les gars, s'il vous plaît. Nous ne sommes pas en deuil ici, petite. Attends, regarde bien. Hein? Regarde très bien. Ne pense même pas à ton petit ami. Va appeler ta mère. Ne fais pas semblant, tu avais besoin. On a corrigé ton gars, il ne pouvait pas le faire. Encore, je vais te frapper. Hehehehe
Chérie, qu'est-ce qu'il y a? Mais qui est-ce qui t'a fait ça? C'est bon. Maman, s'il te plaît, oublie d'abord ses bienvenus. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ton oncle était ici hier. Mm-hmm. Il est venu réclamer sur le terre de ton père. Il dit qu'il en a le droit. Et il m'a demandé de ne plus aller chercher à manger là-bas, que je n'ai plus le droit. What? Oncle Akuni a pu te faire ça? Maman, écoute, c'est la seule chose qui fait en sorte qu'on se tiraille. Et ça, c'est m'importuner. J'arrive, maman, j'arrive. Allez, attends. Mais tu n'as pas besoin d'aller lui confronter. Tu vas encore chercher des problèmes. Bien. Passe ce message à tes amis que je ne suis pas l'un de vous. Oui, on peut mettre à danser. C'était juste un accident. Un accident? Il m'a attaqué. Ah, qui t'a attaqué? C'est qui exactement? Cet idiot. C'est cet idiot dont nous avons violé la fille Larry. Mais qu'est-ce que tu dis là? Tu nous dis que ce père t'a attaqué? Comment ça? Mais qu'est-ce que tu nous dis là? Mon cher, c'est quoi cette histoire encore? Qu'est-ce qu'il y a? Qui t'a attaqué? Qui... Mais mon cher, qui t'a provoqué? Qui a osé vraiment te toucher? Il t'a même fait ça sur le visage. Et il n'a même pas eu peur. Ce garçon vraiment t'a attaqué. Hein? Et il t'a fait ça. Est-ce que tu le connais vraiment? Donc toi aussi t'es un peu heureux. Cet idiot veut nous tuer tous. T'as dit quoi? Oui. Il a dit qu'il va nous tuer tous. Vu qu'il t'a frappé, donc il peut aussi nous tuer. Il fait pitié. Il fait vraiment pitié. Cette jeune femme, elle est en train de jouer avec le feu. Attends, mais ce n'est pas sa faute. C'est notre faute. Et ça ne va pas s'arrêter par là. On doit s'occuper de toi. On va s'occuper. Il faut les faire taire une bonne fois pour toutes. Parce qu'ils constituent déjà un danger pour tout le monde, mes gars. Je ne pense pas qu'il soit à la maison. Il est sorti? Oui. Je l'ai vu lorsqu'il avait bloqué la porte et il est parti. Quand? Il y a de cela 2 heures. Oh, ok, merci. Ah, je vous en prie.
Sharon. Sharon. Non, 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 ce n'est pas normal. Sharon, lève-toi. Qu'est-ce qu'il y a? Sharon. 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 Mon Dieu. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Sharon. Sharon, dis quelque chose. Mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Sharon. 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 Hey. Sharon. Mon fils. Maman. C'est pas du tout bien ce que tu as fait à un homme titré comme ton oncle. Un homme titré, mon œil, maman. Hmm? Maman, si cet homme ose encore me tenter, je vais m'assurer de lui donner une leçon qu'il n'oubliera jamais durant ses vies sur terre. Et c'est une promesse. Je sais que tu te bats pour moi. Mais bats-toi pour ce qui est à nous. Mais tu peux pas t'en prendre comme ça. S'il te plaît, oublie toutes ces choses, maman. Maman, en fait, laisse-moi m'en charger. Hein? Laisse-moi m'en charger. Écoute, maman. Je ne peux pas rester là bras croisés et voir quelqu'un foutre son doigt dans ton œil. Ou nous ravir des choses qui nous reviennent de droit. Jamais. Je ne le ferai pas. Pas moi, maman. Pas Tchalé. Pas ton fils. Tchalé. Maman. Tu sais, frapper ton oncle ou n'importe quel vieil homme. C'est comme une provocation aux yeux de la tradition. C'est comme si tu avais frappé ton propre père. Maman, sans effet. Maman, ces vieux déconcrets-là ne peut jamais être un père pour moi. Non! Hein? Bien, fils. Tu dois aller les supplier avant qu'ils partent accuser sur le roi. Quoi? Qu'est-ce que tu viens de dire, maman? Supplier ces messieurs? Non! Sans effet. Je ne peux jamais supplier cet homme. Écoute-moi, maman. Je peux gérer cet homme et tous mis ensemble. Je te dis. Maman, crois-moi, s'il te plaît. Je peux bien le gérer. Attends, je vais te donner quelque chose d'abord. Sois calme, Patricien. Écoute, j'ai une surprise pour toi. Au moment où cette surprise sera dévoilée dans ce village, tout le monde saura que Patricien est en train de venir. Papa. Quelle est cette fille dans ce village qui le fait avec mon mari et fait de sorte qu'il soit irresponsable dans sa famille? Aujourd'hui, je vais les découvrir. Ils ne savent même pas que je suis là. Il saura que... Et Shangui. Non, attends. Non, donc c'est non, toi. Ce n'est pas ce que tu crois. C'est toi qui sors avec mon mari. Tu pensais que je n'allais pas les découvrir. Ce n'est pas ce que tu crois. Imbécile, inutile de fille. Toi, attends, tu verras aujourd'hui. Laisse-la, ce n'est pas ça. Tu es en train de le défendre. Laisse-moi. Tu le défends. Laisse-moi. Non, il ne reste pas. Laisse-la. Aujourd'hui, je t'ai attrapé. Je ne veux pas. Ok, c'est pas grave. On y va à la maison. Oui, il faut courir. Je te suis. Je suis juste derrière toi. On verra. Ok. Je n'apprécie pas ce que tu fais. Je ne l'apprécie pas. Pas juste à ce niveau. Non, ce n'est pas bien. Un homme irresponsable. Toi, irresponsable. Aujourd'hui, je vais te tuer, tu verras. Attends, Maureen, laisse-moi t'expliquer. Qu'est-ce que tu vas m'expliquer? Écoute. Hein? Cette fille a un problème. Uh-huh. Je la conseille de savoir ce qu'elle peut faire et ce qu'elle ne peut pas faire. Avant que tu arrives. En lui donnant l'argent. L'argent que tu peux nous donner pour se nourrir dans cette maison. C'est ce que tu fais. Cette fille souffrait. Je lui montrais les médicaments qu'elle peut prendre. Je pense que sa maladie s'est aggravée même quand tu l'as frappée. Monsieur le bon Samaritain, tu étais là en train de faire les Samaritains. Ce n'est pas ce que tu penses. Tu me verras je lui montrer comment seulement aujourd'hui, je ne veux pas venir avec toi. Oh, yeah. Je les verrai vous. Tu fais pourquoi? Je suis tiré. Non, tu fais les Samaritains. C'est bon là-bas. Tu fais les Samaritains. Ici, moi, attention, je meurs de faim avec mon enfant. Aurine, attention. Qu'est-ce que tu fais là-bas? Tu es les Samaritains. Aujourd'hui, on va se tuer aujourd'hui. Aurine. Je ne veux pas finir avec toi. Attends, tu verras. Aurine, ce que tu fais, ce n'est pas bien. Respecte-toi. Ça ne peut pas arriver jusqu'à ce niveau. Ah.
Amati, que se passe-t-il? C'est quoi? C'est quoi? Papa, je pense que je me suis fait du mal moi-même. Mais ça va aller, t'inquiète. Calme-toi. Il y a les médicaments de la malaria à l'intérieur. Oh! Ça suffit. Doucement, calme-toi. Calme-toi. Va les chercher. Jésus Christ, elle me dit, ça c'est mon deuxième mois que je n'ai pas vu mes règles. Qu'est-ce qui s'est passé? Je pense que je suis enceinte. Je crois que je suis enceinte. Dieu merci, maman n'est pas là. Elle allait remarquer que je voyais d'abord le docteur pour les confirmer. Oh mon Dieu. Personne ne peut ne faire la guerre et espérer vivre en liberté. Je devrais t'estimer heureux. Nous ne voulons pas te tuer. Alors regarde. Regarde. Ce qui s'est passé autrefois est vraiment triste, alors écoute-moi. De toutes les façons, si tu veux survivre dans ce campus, alors tu dois te joindre à nous. Ah, les jeunes garçons. Voilà les jeunes garçons. J'espère que tu l'as bien entendu. Tu vois, c'est maintenant ta dernière chance. Je crois que tu as la chance. Tu sais quoi faire. Tu as déjà tout compris. La balle. Et dans ton camp. Le gars, il est dit qu'à bon attendeur, Sally. Alors on bouge. Maman. Je t'avais dit que je ne suis pas contente de ce que tu as fait à ton oncle Akuma. Oh, maman, on ne devrait plus parler de cette affaire, n'est-ce pas? Et maman, je dois rendre compte à ce vieil homme qui pense qu'il peut tout faire sans qu'on lui fasse des problèmes. Cette affaire de ces vieux sorciers nous a causé 50 000 naira. Comment? Qu'est-ce que tu veux dire, maman? Les anciens, nous devons trouver 50 000 naira. Quoi? 50 000 naira? Oui. Maman, nous allons remettre à personne quoi que ce soit. D'ailleurs, maman, je dois aller là-bas rendre des comptes à ces fous une fois de plus. Bien, bien, bien. Tu veux aller où? Ça va pas la tête? Hein? Le premier que tu as frappé, tu n'as pas encore payé des amendes. Et tu veux en ajouter? Tu n'iras nulle part. Nous ne pouvons pas rester bras croisés et regarder les gens nous intimider, maman. Non! Ce n'est pas bien. J'irai bien, maman. Tu n'iras nulle part, mon fils. Arrête de te chercher des problèmes, s'il te plaît. Tu n'iras nulle part. Tu m'as entendu. Jeff. Jeff. Jali, c'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? Ah ah. Ja. Réveille-toi. Oh, Guiné. S'il te plaît, ne laisse pas quelque chose arriver à mon fils. Il est tout ce que j'ai dans cette vie. Dieu merci, tu es réveillé. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui m'est arrivé, maman? Tu voulais sortir de la parcelle et puis tu es tombé.
Je sais pas ce qui s'est passé, mais mes yeux étaient devenus tout noirs. Mes jambes ne pouvaient plus maintenir le corps et ma tête devenait très lourde. Précisément cette partie. Je pense que c'est grâce aux prières que tu es encore là. Oui, mon fils. Tu étais vraiment en colère. Tu dois te rendre à l'hôpital pour essayer de t'examiner. Maman, aller à l'hôpital ne me serait pas nécessaire. Je vais très bien, ça va aller. C'est nécessaire, oh. Tu dois partir. Je t'ai écouté, maman. Mais comme je te l'ai dit tantôt, je vais très bien. Je vais bien. De toutes les façons, laisse-moi aller chercher. Non, non. Je vais t'apporter de l'eau. Et un peu de la nourriture. Tu vas manger, n'est-ce pas? Juste un tout petit peu. Ah, écoute, juste essaye de te reposer. Tu as dit que tu avais besoin d'argent, n'est-ce pas? Ou tu as besoin encore de plus de ce que je t'ai donné? S'il te plaît, ce n'est pas de ça que je parle maintenant. Je viens juste pour te dire que je suis enceinte. Hein? Je ne blague pas. Bien. Arrête ces bêtises. Qu'est-ce qu'il y a? Je n'aime pas ce genre de bêtises. Comment tu veux dire que tu es enceinte? C'est la 15e fois que tu tombes enceinte et tu es une poule? Es-tu sérieux? Penses-tu que je blague? Écoute, je viens de voir le docteur et il m'a dit que je suis enceinte. Donne-moi l'argent pour l'avortement, s'il te plaît. Docteur? Regarde, c'est vraiment évident et c'est très clair que je ne suis pas le seul homme avec qui tu sors dans cette communauté. Alors laisse-moi te dire une chose, je n'ai aucun rond à te remettre. Ah, mais c'est la 15e fois que tu tombes enceinte. Écoute, si ton plan dans ce village est de m'engrosser et me laisser pour gâcher ma vie, ça ne marchera pas, oh. Tu m'as entendu, ça ne marchera pas du tout, oh. Donne-moi l'argent de l'avortement parce que je ne suis pas prête pour le mariage. Quel argent? Je te dis que je n'ai pas d'argent ici. Et d'ailleurs, je suis en train de glisser une très petite vérité. L'autre vérité que je ne peux pas payer pour des choses comme celle-ci. Je ne peux pas non plus payer pour avorter cette grossesse. Si tu crois que ce bébé est mien, alors garde-le pour moi. Et de toutes les façons, si ce bébé est vraiment mien, garde-le. Et après l'accouchement, je viendrai t'épouser. Oublie l'avortement. Je ne vais pas commencer à payer pour l'avortement. Qu'est-ce que tu me dis? Allez, reviens ici. Reviens ici. Insensé. Mon cher, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Le pire, mon gars. Qu'est-ce qui s'est passé? Franchement, les choses ont mal tourné. Ah, mon cher, va tout droit au but. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quel gars? Ouais, mon gars, je te dis vrai. Ce Perret-là est allé appeler la police. Ouais, je te dis vrai. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est stupide d'être allé prendre la police. Je te dis franchement, nous sommes recherchés. Ouais, mon gars. Hey. Je te dis, j'étais en train d'aller aux toilettes. En passant, je vis la police. Tu comprends? Ouais, et mon gars, je me suis caché. Ouais, ils m'ont pas vu. C'est lui-là. Ouais, il n'y a pas moyen d'entrer là-bas. Il y a des policiers partout. Ce gars est entouré de policiers. Il explique qu'il part de nous tout ce qu'on a fait, des choses horribles. Hein? Bientôt, ces policiers vont s'éparpiller. Ce qu'on doit faire en ce moment, il y a la meilleure chose à faire. Ouais, je te dis vrai. Disparaître vite, vite. On n'a plus de temps à perdre. Il faut qu'on parte au... Mon gars, si tu veux pas qu'on soit chopé, on doit se barrer. Mais tu es malade. Tu es malade? Mais qu'est-ce qui t'a pris pour dire ça? Hein? On n'a plus le temps. Il faut vraiment qu'on disparaisse. Hein? Tu veux qu'on t'arrête? Je comprends ce que tu ressens, mais mon gars, si on s'échappe pas maintenant, on sera buté. Tu es vraiment malade. Ce qu'on doit faire, qu'on trouve un moyen d'informer Charles. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Il faut vraiment trouver un moyen d'informer Charles. D'informer Charles. On n'a pas vraiment le temps. Il faut qu'on parte. Partons. Moi, je me barre. Papa, les gars étaient en train de me dire... Mathieu, est-ce que vous avez le gari dans la maison ou autre chose que je puisse manger avec le noyau de la noix de palme? Papa, attends d'abord. Le gars était en train de me dire, Mathieu, allons-y. Allons le faire dans la brousse. J'avais dit non. Papa ne sera pas content de moi. Ambrose? Papa, c'est vrai. Oh. Écoute, si ce n'était pas pour votre nom, que je n'étais pas le seul enfant, j'allais partir au couvent pour continuer ma vie là-bas. Tu papa, es vraiment ma fille. Papa, je me marierai vierge. On t'épousera vierge. Amen. On t'épousera vierge. Amen. On t'épousera vierge. Amen. Papa, prie pour moi, s'il te plaît.
Amati. Ça fait longtemps que je n'ai jamais vu ta mère dans cette humeur. Mori. La joie. Tu viens en chantant la chanson Igbo. Est-ce que tu as gagné la loterie? C'est plus que ça. C'est veux-tu vrai? Te marier? Hey, quelle joie que j'ai! T'as pas entendu? Écoutez quoi? Cette fille inutile. Cette fille-là qui court derrière tous les hommes du village. Hey! Le docteur a dit qu'elle a le virus du sida. Je l'avais dit. Je l'avais très bien dit. Elle ne pouvait que mériter ça. Ce n'était pas du tout une bonne fille. Oui, vous voyez maintenant? Ah? Qu'est-ce qu'il y a? Hein? C'est quoi, oh? Papa? Machi. Ça, ça dit beaucoup. Ton père a couché avec cette fille. Voilà le pourquoi. Oh mon Dieu. Machi, c'est quoi ça? Il n'y a rien. Pourquoi tu vomis comme ça? Non. Tu es enceinte? Hein? Machi. Machi, tu es enceinte. Machi, c'est vrai que tu es enceinte, vraiment. Je suis toujours vierge. Allons là-bas voir papa. Allons le voir là-bas. Hey. Oh mon mari, qu'est-ce qui se passe avec lui? Je comprends pas. Qu'est-ce qui m'arrive? Hey! Il faut que j'appelle des lettres. Toi là, tu es grosse. Je vais m'en charger de toi. Je suis très forte. Hey, il n'y a mon chéri, rien. Oh! Mon chéri, tu n'as pas le droit de me faire ça. Tu n'as pas le droit. Hey, réveille-toi, oh, réveille-toi. Machi, toi tu es enceinte. Il faut me dire qui t'a embrassée. Qu'est-ce qu'il y a? Maman, arrête ça, je suis encore vierge. Arrête de me déranger. Hey! Amenons-le à l'hôpital d'abord. Mon chéri, réveille-toi. Allô? Pimonti. C'est comment? Hein? Dieu. Je n'arrive pas à bien te comprendre. Et qu'est-ce qui s'est passé, hein? Ok. Est-ce que tu m'entends? Allô? Hein? Est-ce que tu m'entends? Non, je suis rentré au village. Je suis au village maintenant. Oui. Ok, il n'y a pas de problème. Et je t'attends. Ok, d'accord, tu m'entends? Et s'il te plaît, sois vraiment prudent. Tu sais de quoi il s'agit, non? Ok, d'accord. Il n'y a pas de problème. D'accord. Jess. Jess. Maman de Jess. Maman de Jess. Jess est mort. Je l'ai vu étalé par terre au bord de la route. Mon fils, où? Ici, vers l'entrée. Allons-y. J'allais-moi. Mon fils. Jess, réveille-toi. Mais dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Jess. Oh gars, se lève-le. Je ne sais rien. Mon fils. Maman. Tu dois prendre les médicaments appropriés. Mais maman, je viens à peine de clinique et je vais prendre les médicaments qu'on m'a prescrit, non? Je sais. C'est pourquoi j'avais dit que tu dois partir à l'hôpital général pour savoir qu'est-ce qui te dérange réellement. Est-ce que cela est vraiment nécessaire? Oui, ça l'est. C'est vraiment nécessaire. Ok, maman, je t'ai écouté. Et je verrai ce qu'il faut faire. Je suis très sérieuse. Je le suis vraiment. À part ça, j'aimerais que tu fasses le test du VIH. Le VIH? Oui, VIH. Maman, pourquoi donc? Je ne suis pas atteint par le virus. Ce n'est pas ce que je dis.
Mais il est important de savoir son état sérologique. C'était quand la dernière fois que tu as fait ces tests? Tu vois? C'est mieux que tu saches ton état sérologique, ok? Aucun problème, maman. Hey! Ça, c'est quel genre de famille? Hein? Mon Dieu, qu'est-ce qu'il y a? Hey, mon Dieu! Pourquoi tu m'as donné une telle famille? Un homme inutile et une fille très inutile. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi ce genre de punition pour me donner une famille de la sorte? Hey! Oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe que je suis en train de vivre? Oh. Mon Dieu, oh, je suis fini, oh, je suis fini. Charles, écoute-moi bien. En tout cas, moi je ne comprends pas cette histoire. Hein? Explique-nous bien. Non mais non, je suis là. C'est juste que je voudrais un peu me reposer. Mais regarde-moi mec, je suis vraiment en forme, je vous dis. Je suis vraiment frais. Il n'y a rien mec, je vais très bien. Hein. Vous savez, il est toujours bien de prendre un temps de repos à la maison, tous les soirs à la maison, se reposer, c'est une très bonne chose. Ah donc, te voilà en forme. Le boss, je suis très content de te voir en forme. Hein. La maladie, c'est pas fait pour nous. Ce genre de choses, c'est pour les femmes. Ça n'a pas de sens. Prochainement, ne te laisse pas faire. Tu comprends? Prochainement, même si ça vient, tu dois tenir bon. Et qu'est-ce qu'on va faire? Hein, notre gars, Fausta. Les gars là, hein, Fausta. Qu'est-ce que nous allons faire avec lui? Je suis en train de parler de Fausta. Mec, tu sais à propos des cas de Fausta. Il doit vraiment mourir. Et si nous nous aventurions, cet homme, hein, il va nous tuer. Si seulement nous commettons cette erreur d'entrer dans son terrain très facilement comme ça, ces gars vont nous finir. Est-ce que tu comprends? Ouais, c'est exactement ça. Non. Nous devons vraiment l'attaquer. C'est vraiment le bon moment pour l'attaquer. Pourquoi vous voulez l'abandonner? Hein? Il va te déranger encore. Hein? Écoute-moi. Nous devons l'attaquer une fois pour toutes. Et comme ça, il ne va plus t'attaquer. Il n'est pas notre frère. Il n'est pas notre frère et je ne comprends pas ce que tu es en train de dire là. Donc, tu es en train de nous dire que non, on doit les laisser. Moi, je vais y aller là-bas. Et c'est comme ça que vous m'abandonnez. Mon gars, écoute. Comme maintenant. Hein? Comme maintenant. Je répète, comme maintenant. On doit oublier ce type. Tu comprends? Regarde. On a failli être arrêté. Tu dois comprendre. Hein? Là, je te dis franchement, tout ce qu'on a déjà accompli, c'est déjà assez. Tu comprends? On doit se limiter par là, on ne doit plus essayer. Hein? On ne doit plus essayer. Si seulement la police arrive à découvrir l'endroit où nous sommes, je te dis, nous sommes foutus. C'est ce que j'essaie de vous faire comprendre. Si vous allez continuer, ça vous regarde. D'après moi, on s'arrête ici, les gars. C'est un faux cop. Les gars, je vous dis qu'on risque que papa et maman puissent être au courant. Mec, laisse-moi te dire, hein, si tu oses commettre une erreur, hein, et que nous foulons nos pieds dans cette zone, je t'assure que nous n'allons pas les échapper. Je te jure, nous sommes tous trois dans le bain. Et laisse-moi te dire que nous serons cuits. Mon cher, il ne faut pas avoir peur. Hein? Il ne faut pas avoir peur. Nous, là, on va aller. Et on va lui montrer de quoi nous sommes capables. Qu'est-ce que tu es en train de me dire? Quelqu'un comme moi, quelqu'un comme moi, vraiment. Et tout le monde dans ce village connaît très bien que je suis l'enfant unique. Moi, je vais aller là-bas. Hein? Et c'est comme ça que vous m'abandonnez. Et lui, vous l'appelez confrère. Tout le monde sait que il n'est pas vraiment transparent. Il faut qu'on parte. On est vraiment à trois. Et ils sont uniquement que deux. Et si on abandonne cette histoire, comment est-ce qu'ils vont nous prendre? Il faut qu'on aille. Oh, regarde. Il est vrai que nous ne sommes pas venus en aide. Mais le problème, c'est qu'ils sont plus puissants que nous. Tu sais de quoi il s'agit. Mec, si nous commettons une erreur. Une erreur, je ne parle pas d'un plan si nous voulons y entrer. Je parle de si nous commettons cette erreur d'y entrer seulement. Mec, c'est que tes yeux verront. Hein? Ah! Et tu vas rejoindre tes ancêtres. C'est ce que je viens de dire. C'est ce que tu ne comprends pas. Tu dois être conscient. Il faut qu'on parte leur montrer de quoi nous sommes capables. On va les frapper. Je vais appeler ma mère.
elle comprendra. Hey, j'ai pitié pour toi, oh. J'ai pitié pour toi, mon garçon. Donc j'ai comme l'impression que tout ce qu'on est en train de dire, c'est notre part dans tes oreilles. Ça va rester comme ça. Ah, ah. Ah. Ah, les gars, cette chose. Ah. De toutes les façons, j'ai besoin de l'herbe. Ah. Ah, vous essayez de me déranger, non. D'ailleurs, tu ne sais pas jouer. Attends, tu verras ce que je t'ai fait rire. Attends. C'est compliqué. Il faut qu'on joue comme ça. Calme-toi, hein? Mec. On va jouer de cette façon-là. Tu vas perdre. Regarde, regarde. Mets les cartes. Je vais te montrer comment on joue aux cartes. Comment est-ce que tu peux être aussi sûr? Tu penses être en train de me dire pas question, je ne vais pas perdre. Tu veux que je joue aux cartes? C'est moi qui vais gagner, mon cher. Mon cher, mon cher, mon cher. Alors mec, vas-y, joue. Mais qu'est-ce que tu as joué? Jouer? Non. Oh, je vois que tu es sauvé au... Oh. Regarde ça, c'est moi les champions. On doit vérifier. Oui, on doit vérifier. Regarde bien. Non, mon cher, tu vas pas jouer comme qu'est-ce ça. Que racontes, mais qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce qu'il y a, hein? Vérifie le jeu. Mais c'est toi qui sais gagné. Pourquoi me demandes-tu de commencer la partie? Attends, tu ne vois pas le jeu. Il ne veut pas distribuer des cartes. Il sait qu'il ne va pas gagner. Hein? Mais j'ai gagné. Mais pourquoi non, 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 mon cher, c'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Vas-y, mec, allons-y. 27. Descends jusqu'en bas. 29. Hein? Ce garçon est fini, hein. Tu ne descends pas bien. Regardez-moi sa façon ce de gars faire. Est en train de lui mentir. Descends jusqu'en bas. C'est ah, comme ça. Vas-y, ça reste 1. Ah, voilà. Il a bien fait. 40. Je vais appeler ma mère. Tu comprendras. Vous allez voir ma mère. Tu comprendras. Si tu veux que son fils a grandi, il a appelé ma mère. Allez, vas-y. Vous allez appeler ma mère. Regardez. Je grandis même. Tu es fini. On va voir. 1, 2, 3. C'est dit, je vais gagner. 4, 5, 6, 7, 8. Tu ne vas pas arriver. Tu ne vas pas arriver. C'est pas ce que tu faisais. Ah, bravo. Vas-y. Mais vas-y, je n'ai pas toujours vas-y, arrivé. Tu sais hein? Très bien le faire, mec. Ah, regarde, vas-y. Il ne va pas arriver. J'ai toujours dit qu'il regarde, fort. Moi, je vais gagner. Personne ne va arriver. Vas-y, fonce. Regarde, mec. Il s'est fatigué. Fonce, vas-y. Il ne va plus fonce, arriver. Voilà, oh, tu es un homme fort. Il ne va plus arriver. Mais pourquoi tu es plus fort? Il est fatigué, regarde, il est fatigué. Je dois aller, ma pauvre. Voilà, bravo. Laisse ça, c'est le bas. Oui, ma pauvre. Tu vois ce que je te disais? Tu vois?
Qu'est-ce qui se passe? Mais tu devrais commencer avec lui. Pourquoi moi? Réveille-toi. Réveille-le. Il continue toujours à dormir. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi vous m'avez réveillé? Dites-moi, pourquoi vous m'avez réveillé? Ça, c'est la période la plus ennuyante de ma vie. Hé! Je n'arrive même pas à y croire. Il n'y a rien à faire dans ce village. Ouais, je vous dis. Les gars, moi, j'en ai vraiment marre. Regardez comme nous sommes enfermés comme des chiens, les gars. On n'a même pas le droit de bouger, les gars. Vous ne comprenez pas. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ça? C'était très mal pour moi. Voyez ce qu'on a fait vraiment, hein? C'est très mal pour moi. Et le pire dans tout ça, c'est qu'on n'arrive même pas à sortir. On ne peut aller nulle part. Est-ce que vous comprenez? Et pour rendre les choses encore plus difficiles, hein? Et Mamsi, c'est celle qui était venue la fois dernière ici. Ne voyez-vous pas que cette dame a comme l'impression de connaître la vérité? Elle sait très bien ce qui nous est arrivé de l'autre côté, je crois bien. Et puis, qu'est-ce que tu lui as dit? Regarde ce garçon, now. J'ai fait usage de ma tête, mec. Et cette tante-là a dit, Asu. Et de ce qu'on avait fait à cette fille là-bas? C'est vrai qu'honnêtement, le fait qu'elle avait vu notre visage peut nous créer des problèmes, mais je ne pouvais pas lui dire ça. Mec, je veux dire, hein, j'ai peur, oh. Vous voyez cette femme qui était venue là? Je la suspecte de connaître quelque chose autour de nous, hein. Vous comprenez ça? Alors, par rapport à ça, moi, je suis en train de vraiment penser à quelque chose. Et je t'ai dit, mec. Et ce que tu racontes, vraiment, ça n'a même pas de sens. C'est pas là même. Ça ne va même pas. Ça ne va même pas marcher, ton plan. Regarde vraiment. Il n'y a même pas la paix dans un village qui n'a pas de paix. Et qu'est-ce qu'on fait ici même? Bien. Je trouve que c'est d'ailleurs mieux que nous puissions rire et passer du temps comme ça. Vous voyez cette femme que nous avions vue de l'autre côté? Elle était une docteure que absolument tout le monde ici respectait vraiment et adorait même. Avant qu'elle ne commette une grave erreur. Waouh, sérieusement? C'était quoi cette erreur qu'elle avait commise dans ce cas? C'est une très longue histoire. Je ne saurais pas vous la raconter aujourd'hui. Peu importe ce que c'est. C'est déjà dans le passé. Parce que nous tous avons vu la tristesse de cette vie. Si tu le dis. Mec, nous devons trouver autre chose à faire parce que tel que je suis ici, mon corps me dérange déjà, mec. Alors vraiment, je veux que nous trouvions quoi faire. Waouh, on doit essayer un peu de faire un tour. C'est quoi ça? Je te dis, mon cher. Les gars, vous savez ce qu'on devrait faire, hein? Je crois qu'on devrait aller un peu se promener au village et profiter. Il faut qu'on parte. Qu'on parte à un endroit pour faire. Et je dois vous le montrer, non? Soyez calme. C'est très doux. Il faut vraiment qu'on le fasse. Waouh. Il faut vraiment qu'on parte. On n'a plus le temps. Il faut qu'on parte. Oui, c'est le moment. Alors, vous êtes prêts? Ah, vraiment? On va le faire maintenant. C'est maintenant qu'on le fait. Oh mec, attends. Tu as tout fini, j'espère. Ouais, les gars, gagnons le temps. Ouais, allons-y. Tu n'es pas sérieux, toi. Quelle vie honteuse que je vis, hein, dans ma vie. Donc, c'est comme ça que je vais finir. Seulement comme ça? Qu'est-ce qui me poussait à aimer cette fille? Qu'est-ce que je cherchais? Dieu. Je ne peux pas attendre à ce que je sois embrassé de la honte. Qu'est-ce que je dirais aux gens au moment où la nouvelle de ces virus VIH va se propager? Qu'est-ce que je vais leur dire? Je ne peux pas avoir honte dans cette terre.
Je dois y mettre fin. Regarde, je n'ai aucun choix. Viens contribuer avec ton idée pour que j'associe la mienne pour résoudre ce problème. Hein? Je ne peux pas mourir seul. Tu as toujours été derrière ces pantalons et tu en as tout vu. Tu le vois clairement aussi comme moi-même, les yeux dans les yeux. Maintenant, viens me dire et apporter. Apporte vite ton idée parce que si je meurs, nous mourrons ensemble. Maintenant, tu gardes silence. Mec, regardez ces garçons. Et qu'est-ce qu'ils font? Mais tu n'es pas bouqué. Tu marches vraiment comme un homme. Et comme ça, vraiment, tu marches. doucement. Moi, je marche vraiment comme un homme. Regarde. Alors, oh, mec, regardez. Moi, je ne blague pas. Alors, mec, écoutez, vous savez, j'ai appris qu'il y a dans des foyers une maladie stupide. Là. Vous savez ce que je ne comprends pas et que vous voulez toujours de mauvaises choses. Qu'est-ce qui ne va pas avec vous, hein, les gars? On peut pas marcher tranquillement. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Tu fais répéter les mêmes choses. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Regarde ce que tu sors. Ouais, je veux pas. Tu ne peux même pas réfléchir pour une seule. Je veux même pas penser à une chose. Je veux tout oublier. Oublie cette affaire. Alors, mec, regardez. Hein. Vous savez, il m'a été recommandé d'aller pour un check-up. On m'a dit de faire ça, c'est important pour moi. J'ai besoin de voir l'état de ma santé. Regardez-moi, j'ai besoin de savoir qu'est-ce qui est important. Je ne change jamais. C'est vrai que tout le monde dans ce village, c'est que sa mère, c'est un docteur. Docteur particulier. Vraiment. Tu vois cette particularité-là. Je pense vraiment que ta mère... Elle est en train de vivre comme si elle n'a pas vraiment de mari. Je sais que tu partes faire ces tests médicaux. Toi, ce garçon, toi tel que tu es, tu ne fais que sortir de bêtises. Mais laisse-moi te corriger d'abord, premièrement. Ma mère n'est pas infirmière, tu comprends? Ma mère est docteur. Elle a un diplôme certifié de docteur, donc ça signifie qu'elle est partie à l'école, qu'elle a payé les frais académiques convenablement. Mais ça, ce n'est pas la raison de tout ça, les amis. À ce qui paraît, j'ai vraiment l'impression d'aller à l'hôpital. C'est vraiment ce qu'elle m'a dit. Vous savez, j'ai comme l'impression qu'il y a quelque chose qui ne marche pas en moi. Mais ma mère continue toujours à insister que je dois faire le test de VIH. Est-ce que ça ne peut pas être le VIH? Hein? Non, attends. Ouais, d'après moi, je dirais que tu pourrais même... Tu peux aller chez le guérisseur. Il ne demande pas beaucoup d'argent. Est-ce que tu comprends? Tu te fais confiance? Non, c'est pas cher. Il y a beaucoup de gens qui partent et ils sont guéris. Tu comprends ce que j'essaie de te dire? Mais je te demande une chose. Oubliez, s'il te plaît. Franchement, arrêtez de vivre dans le passé, les gars. Oubliez des choses. Oubliez, s'il vous plaît. Peut-être que je ne dis rien, mais c'est mauvais. En te regardant comme ça, vraiment, tu as beaucoup perdu. Même quand tu marches, en cours de route, en tout cas. C'est comme si tu n'as même pas de force. Tu vas de gauche à droite. Je me suis dit, mon cher, il faut prendre vraiment une grosse pierre pour mettre dans ses poches. Comme ça, il aura l'équilibre. Va-t'en comme ça. En tout cas, cette histoire, vraiment, vraiment, il faut que tu y penses. Le truc que tu appelles VIH, tu as oublié que ma maman a un enfant unique. Et toi, tu me parles d'histoire des VIH. Il faut qu'on parte faire ces tests-là de VIH. Et on verra vraiment qui a ces VIH et qui n'en a pas. Moi, je perds de ces tests-là. Les mecs, regardez. Il y a quelque chose qui me fait le plus peur, regardez. Alors s'il y a un homme beau comme moi, un homme galant, un homme bien tapé et aller à l'hôpital comme ça pour faire ce test. Et aussi après on dit... Ouais les gars, est-ce qu'on peut aller chercher un truc à manger parce que moi ensuite, tu vois moi je vais être positif les gars. Je sais pas si vous avez toujours peur. Ça ne s'écrit pas sur le visage. Regarde mes yeux maintenant. Je n'ai pas cette maladie. Mais ce qui va arriver à ce test, si vraiment on teste et que c'est positif, ta mère va appeler ma mère. Et fils unique à maman, fils unique à maman. Tu crois qu'il a cette maladie? Dis-nous d'abord, en quoi est-ce que ça nous concerne? Hein? Et si tu étais vraiment fils à maman, tu n'aurais pas fait ça? En tout cas, moi, je perds ce test-là. Et j'ai vraiment comme moi, personnellement, je ne pense pas que je pourrais avoir cette maladie. Regardez-moi. Je préfère vraiment de ne pas aller et faire ce test-là. Vous préférez vraiment aller à elle. Je ne peux pas tomber malade. Qui était magre et où on fait des tests. Moi, un truc qui commence par V et en plus... Ouais, les gars, laisse tomber. En tout cas, moi, je ne vais pas penser à cela. Je ne pense même pas à cela.
je ne vais pas faire ces tests. Cette situation nous est vraiment tombée dessus. Et maintenant, on est tous finis. Maintenant, c'est le VIH. Comment est-ce que nous avons contracté ceci? Où nous l'avons contracté où? Ah! Hey! Pierre! Pierre, le fils unique de sa mère, c'est les moments. Ouais, les gars, les tests d'urine sont positifs. Je comprends pas. C'est quoi ce délire? Ce virus vient d'où? Je n'arrive pas à comprendre. Comment est-ce que je peux être positif? Je ne suis pas malade. Mais qu'est-ce qui se passe? Oui. Mec, c'est vraiment ça la vie. Je me blâme pour les bêtises commises. Dites-moi, comment est-ce que je vais expliquer à maman? Dans les circonstances pareilles, interdiction d'appeler ma mère. Interdiction d'appeler ma mère. Hey, ma mère. Le plus important pour combattre le virus, c'est se faire un test. Si vous le détectez avant, vous pourriez prendre des mesures qui pourront vous aider devant cette situation. Je serai contente. Et je vais toujours continuer à vous conseiller. Et je vous demande. Je demande à vous tous. Et aussi, je vous conseille tous que l'abstinence est la seule option pour vous de ne pas utiliser le sexe avant le mariage. Est-ce que je me fais comprendre? Oui, madame. C'est ça, madame. Alors, c'est par là que nous allons nous arrêter aujourd'hui. Avez-vous une question pour moi? Il n'y a aucune question, madame. Très bien. C'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui, ok? Oui, c'est ça, madame. Gloire à Dieu. On peut prier? Père Céleste, je te remercie pour aujourd'hui. Merci pour ce que tu nous as encore appris aujourd'hui. Et je demande à ce que ta grâce accompagne tout un chacun de nous. Au nom puissant de Jésus.
T'es allé? Pourquoi vous faites tous ces têtes? Maman, s'il te plaît. Je suis mort, maman. Bien. Ce n'est pas du tout la fin du monde. Encore moins la mort, comme vous le pensez. Vous ne pourrez plus vivre une vie saine et normale comme avant. Mais ça va être dur. Très dur. Je ne plaisante pas, Johnny. Maman, comment? Maman, c'est nous qui avons causé tout ceci. Hein? Nous sommes finis. Ça, c'est vraiment notre fin. Hé! 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 Aïe! Quoi? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je me suis amené par moi-même. Comment est-ce que je vais l'expliquer à ma mère? Je suis son fils unique. Ma mère s'est tellement battue juste pour m'envoyer à l'école. Et c'est comme ça que je lui ai remercié. Son fils unique. Son fils unique. Hey! Ce n'est pas nécessaire, ce n'est pas nécessaire. Qu'est-ce qu'on pourrait faire encore? Moi, je ne peux rien faire. Regarde. Comme nous sommes finis comme la fumée qui s'envole. Ah, nous sommes finis comme...
comme la fumée qu'on dégage lorsqu'on filme. Mon gars, tu vois maintenant l'obsession qu'on avait. Maintenant, nous sommes satisfaits. Ne pleure pas, mon gars. On a les sida. L'occultisme. On a les sida. L'occultisme est très dangereux, maman. Vous voyez où est-ce que l'occultisme nous a amenés? Tout ça juste parce qu'ils se sont enflés du désir d'avoir plus de pouvoir. Et voilà qu'on s'est créé tous ces problèmes. Je pense que Dieu nous bénit. Dieu nous bénit. Dieu nous a bénis en étant vraiment inutile, désespéré, malheureux, escroc et surtout insensé. Et c'est pour cela que Dieu nous a punis. Mais pourquoi on s'est comporté comme ça? Qu'est-ce qu'on a gagné là-dessus? Oh non, maman! On a été punis. Dieu n'a pas voulu cela. Il nous a punis par cette maladie. Mais là, qu'est-ce qu'on va faire? Hey, comment je vais appeler cette histoire? Moi, le seul enfant. Comment est-ce que j'ai expliqué à ma mère? C'est tellement trop dur. On m'a envoyé à l'école pour être éduqué. Mais tout ce que je pouvais faire est de décevoir ma propre mère. J'ai chopé le VIH. Maintenant, je suis testé positif. Dites-moi, qu'est-ce que je dirais à ma mère après tout ce qui s'est réellement passé? Qu'est-ce que je dirais à ma mère? Qu'est-ce que je dirais à ma mère? Que du malheur, que du malheur. De même pour nous, parce qu'on s'est laissé emporter. On s'est aventuré ensemble. Et on mourra ensemble. Parce que nous sommes frères.